Camilla, go ahead and share our screens in English and French. You will be sharing in your end the original, right? The French one, not? Or we're sharing all? My understanding was you were sharing the French one, but if I need to share, I can. Camilo, tú vas a compartir la de francés, ¿no? And you will be sharing one of the screens, right? You will be sharing the English one. No, sorry, we would be sharing the French. I can just go ahead and share my Okay. screen. Yeah, you share the French and then it will appear. We will share the English and the Spanish. Right now we have both. We have English and Spanish, and then you can Okay, go can you ahead see and my put screen? French. Sarah, can you No, see my screen? not yet. Yes. We Okay, are sharing perfect. English and Spanish. The Yes, only and one we don't have is the French one. I'm sharing French. So Sarah, go ahead whenever you are ready. Merci. Donc pour eux qui vous Yes, voyez we got it. We got the French. les diapos en français, il faut cliquer sur le nom de Nika. Et c'est elle qui partage les diapos en français. Donc, je vais commencer. Donc, vraiment, bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui qui discutera de la manière d'engager les jeunes comme agents de changement pour répondre aux besoins de santé dans les environnements fragiles. Ce webinaire est présenté par les programmes Momentum Integrated Health Resilience au Burkina Faso, RDC et Niger. Donc moi, je suis Sarah Trailer, je suis le Program Officer pour notre programme au Niger. Je vais partager juste rapidement quelques diapos de introduction avant de passer à mes collègues. Prochaine diapo, next slide. Donc au cours de ce webinaire, vous entendrez des membres du personnel de MIHR de chacun de ces trois pays qui concentrent sur le travail avec les jeunes et les adolescents. Mais la présentation principale de ce webinaire et les panélistes de notre discussion seront dirigés par trois jeunes participantes, leaders de ces trois pays qui ont travaillé avec le MIHR sur diverses initiatives concernant les jeunes et les adolescents. Donc, ici, c'est tout le monde qui va parler aujourd'hui, mais chaque présentateur se présentera lorsque nous aborderons de sa partie du webinaire. Next slide. Donc ici, c'est notre ordre du jour. Donc, comme j'ai dit, présentation de l'équipe du projet. Prochainement, on va entendre de notre équipe au Burkina Faso. Après, c'est RDC et le troisième, c'est Niger. Et à la fin de ces trois présentations de pays, on va avoir une discussion en groupe. Prochaine, merci. Donc, juste rapidement, notre projet Momentum Integrated Health Resilience ou Momentum de résilience sanitaire intégrée, donc c'est l'un des six subventions décernées dans le cadre de l'initiative USAID Momentum. Et ce projet se concentre sur le renforcement de la résilience sanitaire dans les contextes fragiles et touchés par les conflits au niveau de l'interface entre l'humanitaire et le développement. Donc, nous sommes maintenant dans 9 pays, donc ils sont listés là. Et notre projet, on est un consortium de beaucoup de partenaires, donc tous les partenaires aussi sont listés là. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Lassana. Next slide, merci Bien, beaucoup. merci beaucoup. Merci, bonjour tout le monde. Je me nomme Lassana Barry, je suis spécialiste communication pour Pathfinder au Burkina Faso. Alors, vous savez que le projet il évolue dans trois pays qui ont des environnements fragiles qui sont propres à eux-mêmes, mais qui aussi sont des fragilités de façon globale. Au nombre de ces fragilités au Burkina Faso, on a l'instabilité politique, on offre aussi la montée de l'extrémisme violent, le déplacement interne de personnes dues à la crise sécuritaire, les effets des changements climatiques, mais aussi le taux élevé de mortalité infantile et de malnutrition. En République démocratique du Congo, ces fragilités concernent notamment la corruption, la faiblesse donc, des institutions, le manque de ressources humaines et d'infrastructures de base,
Le conflit ethnique, la concurrence violente pour le contrôle donc des ressources. Et au Niger, ces défis concernent notamment les aspects nutritionnels, les défis sécuritaires et démographiques, des chocs climatiques multiples et simultanés, tels que les sécheresses, les inondations et le terrorisme qui sévit aujourd'hui au Sahel. Alors, je passe la parole à mon collègue Bama pour la suite de la présentation. Merci beaucoup. Alors voilà, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à tous, à toutes et à tous. Effectivement, au niveau donc du Burkina Faso, nous avons en fait l'engagement des jeunes et nous voyons qu'effectivement, avec l'appui du projet MHA, nous voyons que les jeunes mènent un travail formidable sur le terrain. Donc c'est pour cela que avec les jeunes, l'orientation qui est donnée, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire pour comme la thème d'alternative par rapport à leur engagement. Et à ce niveau, MIR, MHA a développé quelques stratégies. D'abord, à travers donc le renforcement du leadership et la visibilité des jeunes pour l'initiative Jeunes Champions, avec tous les éléments qui vont leur permettre de pouvoir réellement être efficaces sur le terrain. Et aussi travailler en pleine interaction avec leurs pairs. Il s'agit des renforcements de leurs compétences sur diverses thématiques, la dotation en kit par rapport aux activités d'animation de terrain. Il y a aussi l'appui technique et financier pour les activités, l'implication des jeunes par rapport dans le processus d'élaboration des plans d'action. Et il y a également une autre approche qui est qu'on appelle la YCAT, c'est le Young Community Action. Voilà au niveau donc des jeunes et au niveau de Burkina. Nous avons mis en place l'équipe de jeunes et l'équipe a été formée et nous attendons le reste du processus pour pouvoir réellement commencer les activités sur le terrain. Donc, de façon. Bartholomew? Rien, ton micro et il faut activer ton micro, Marianne. On t'écoute pas. We don't listen to Marianne, je pense Marianne. qu'on Our ne vous voice. entend pas. Pouvez-vous connecter à nouveau le micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas. Essayez ton micro. Voilà, on t'écoute. Essaye encore une OK. fois. D'accord, merci pour la parole donnée. Bonjour, je me nomme Konate Mariam. Je suis jeune championne en santé de la reproduction et planification familiale au Burkina Faso, plus précisément dans le district sanitaire de Diébougou, dans la région du Sud-Ouest. Je suis très heureuse de participer à ce webinaire avec mes pairs. Pour ma petite expérience, j'ai fait mes débuts avec l'initiative Jeunes Champions en mai 2022 par une série de renforcements de capacités en santé de la reproduction, en planification familiale et en technique d'animation. Depuis lors, j'anime des sessions de causerie éducative, des activités de proximité et des dialogues parents-enfants avec ma communauté. Prochain diapo. L'initiative Jeunes Champions, ça va. OK. L'initiative Jeunes Champions SR et en PF est la bienvenue dans mon pays, car les adolescents et jeunes du Burkina Faso sont confrontés à des difficultés sous plusieurs ordres. Sur le plan social, ils sont confrontés au chômage. Selon le recensement général de la population, et de l'habitat RGPH en 2019, le taux de chômage des jeunes de 15 ans ou plus est de 34,1%, dont 32,7% en milieu urbain et 34,7% en milieu rural. En plus du chômage, nous avons l'insuffisance des ressources financières et techniques pour la réalisation des activités à l'endroit des jeunes. Et nous sommes pratiquement les seuls acteurs dans le district sanitaire de Diébougou qui couvre 5
Sur le plan social, nous avons la faible implication des jeunes dans les programmes de développement. Selon la cinquième enquête démographique de la santé réalisée en 2020, 20% des femmes de 15 à 19 ans ont déjà été enceintes. Puisque les grossesses, on a noté un cas élevé de grossesse non désirée qui entraîne des avortements provoqués et clandestins. Voilà. Toujours selon la même source, 13,14% des adolescents du milieu urbain et 25,4% du milieu rural sont en grossesse ou sont mères pour la première fois. 28% des femmes âgées de 10 à 25 ans qui ont eu une grossesse ont déclaré avoir eu recours au moins une fois à l'avortement. Et 42% connaissent une amie qui avait avorté. Et selon le ministère national de l'alphabétisation, de l'éducation nationale de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, à travers sa direction générale des études et des statistiques en 2019-2020, le nombre total de cas de grossesse en milieu scolaire passé de 7 050 au cours de l'année scolaire 2016-2017 à 7 565 en 2017-2018, puis a atteint 7 861 cas en 2018-2019. Toujours selon la même source, les moins de 18 ans constituent 49,6%. Les infections sexuellement transmissibles sont récurrentes. La prévalence du VIH chez les 10 à 14 ans est de 2,4 en 2020. Et en plus, les adolescents s'adonnent à la consommation d'alcool, de tabac et de stupéfiants. Et enfin, on peut citer parmi les problèmes des jeunes sur le plan de la santé, les accidents liés et les traumatismes liés aux accidents de circulation. Et par méconnaissance du code de la route ou dû à l'incivisme routier. Ces données montrent à quel point les adolescents et jeunes de mon pays sont en manque d'informations sur les questions de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale. Et cela est perceptible par le manque d'activité de communication pour un changement social de comportement à l'ère égale. Prochain diapo. Pour contribuer à la résolution des difficultés, nous, jeunes champions en SR et en PF, avons réalisé des activités d'octobre 2022 à mai 2023, consignées dans le graphique suivant. Nos activités de communication digitale sur les plateformes Facebook, WhatsApp et Twitter ont permis de toucher 21 691 personnes. Quant aux causeries éducatives, elles ont permis de toucher 14 231 personnes. Les activités de proximité, 7 454 personnes. Et les dialogues parents-enfants, 1 513 personnes. Prochain diapo. Prochain diapo. Prochain diapo, s'il vous plaît. Il n'y en a pas, ça ne vient pas. OK, merci. Outre ces activités de communication, nous avons organisé des journées de prochain diapo, c'est revenu. OK, merci. Outre ces activités de communication, nous avons organisé des journées de salubrité pour rendre sains les formations sanitaires afin d'éviter les maladies liées à la salubrité. Nous avons aussi participé à une enquête de ménage dans le cadre de l'élaboration d'un plan communal d'assainissement dans un de nos districts d'intervention. Nous sommes également organisés avec l'ensemble des structures associatives impliquées dans l'initiative Jeunes Champions en un réseau formel de la santé de la reproduction et planification familiale afin d'assurer la pérennité des acquis d'ici la fin du projet. Nous avons organisé une journée de don de sang volontaire pour la banque de sang, afin d'apporter notre soutien aux malades
du paludisme pendant la saison hivernale. Nous avons été impliqués dans les travaux de bouchage des nids de poules sur la route nationale numéro 12, en vue de faciliter les évacuations sanitaires et d'éviter les accidents de circulation. Nous avons été sollicités par des centres de formation professionnelle pour des séances de sensibilisation sur la gestion des menstrues. Aussi par l'ONG Compassion pour des séances de sensibilisation sur le paludisme. Nous avons organisé une séance de reboisement dénommée « Un jeune champion, un arbre » au sein d'un CSPS communal pour rendre la formation sanitaire plus ombrageuse au profit des patients et des accompagnants. Et enfin, nous avons fait un plaidoyer auprès des autorités sanitaires pour une meilleure prise en charge de nos références faites. Toutes ces activités ont été réalisées dans les districts sanitaires des trois régions d'intervention du projet MIR, à savoir le centre-ouest, le sud, le centre-est et le sud-ouest. Voilà de façon succincte ce que je pouvais dire sur nos actions au Burkina Faso. Je vous remercie et je passe la parole à la RDC pour sa présentation. Merci Mariam pour la parole. Je suis Dr. Bexon, je suis conseiller technique en santé, la reproduction et planification familiale basé à Goma en RDC. Il faut dire que à l'issue d'un état des lieux des services de santé et la reproduction qui a été réalisé dans les zones d'intervention du projet MIR ici en RDC, il est ressorti que les jeunes avaient un faible accès à l'information et aux services de santé et la reproduction adaptés à leurs besoins. Et donc, pour pouvoir faciliter l'accès des ados et jeunes aux informations et services de santé reproductive adaptés à leurs besoins, le projet MIR ici en RDC a soutenu le ministère de la Santé pour la mise en place de 18 clubs de jeunes dans différentes zones de santé soutenues par le projet. Ces clubs de jeunes qui sont des cadres où les jeunes se réunissent pour discuter de leurs problèmes de santé reproductive et où ils font des propositions ou des suggestions pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, leur accès aux services de santé et la reproduction. Le projet MIR en RDC apporte toute une série d'appuis à ces clubs de jeunes pour pouvoir assurer leur bon fonctionnement, notamment en termes d'appui technique pour l'élaboration de plans d'action trimestriels qui guident, n'est-ce pas, la mise en œuvre de leurs activités, un appui en termes de dotation en matériel pour information, éducation pour les changements de comportement. Le projet MIR facilite également la collaboration entre ces clubs des jeunes, des étudiants et des élèves qui viennent des institutions des sciences de santé pour pouvoir, n'est-ce pas, leur apporter un appui technique dans le cadre de leurs activités de pré-éducation. Diant suivant, lorsqu'on fait l'analyse, en fait, des données du DHISD du ministère de la Santé de la RDC, on s'aperçoit, en fait, que dans les aires de santé où nous avons installé ces clubs des jeunes, on a noté une nette augmentation de l'adoption des méthodes de contraception par les adolescents et jeunes, cette adoption qui est passée de 12% entre janvier et juin 2022 à 17% entre janvier et juin 2023. Et donc, ces données nous mettent en confiance et nous permettent de croire que les jeunes représentent une très bonne alternative pour pouvoir continuer l'accès aux informations et aux services de santé sexuelle et reproductive dans les situations d'urgence lorsque les structures sanitaires sont temporairement inopérationnelles ou tout à fait fermées. Voilà un peu, merci. Je vais passer la parole à notre jeune Benoît de la RDC pour plus de détails sur ce que nous faisons avec eux. Merci pour votre audition. Merci beaucoup, Dr. Bergson, pour la parole et bonjour tout le monde qui nous écoute à pareil moment. Appelez-moi Kambal Bayani Benoît, je réside à ville de Beni, province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai fait des études en agronomie et suis très intéressé par la question des jeunes et suis champion d'une lutte pour un leadership qui garantit un avenir meilleur pour les jeunes en renforçant la confiance en soi chez les jeunes.
Je vous lis dans le club de jeunes, dans la zone descendée de Beni, et précisément dans l'aire descendée de Boïkéne. Prochain diapo. À présent, parlons des principaux problèmes affectant le jeune en République démocratique du Congo. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, il y a pas mal de problèmes qui affectent les jeunes. Mais avant ça, il faut savoir que 32,8% de la population de la RDC sont des adolescents et jeunes, en âge compris entre 10 et 24 ans, soit plus ou moins 23 millions d'habitants. Ces jeunes sont confrontés à plusieurs problèmes, parmi lesquels nous citons le faible accès à l'éducation, ce qui est dit au fait que les parents qui n'arrivent pas à payer les frais scolaires, les enfants sont contraints de rester à la maison. Le taux élevé du chômage et de la pauvreté, exposant les jeunes à la délinquance juvénile et au recrutement dans les groupes armés. Ceci est dit au fait que les jeunes se font manipuler à l'aide proposant une somme d'argent et vu qu'ils vivent dans le désespoir, ils acceptent facilement. Nous citons aussi les difficultés des parents pour discuter des questions de santé reproductive avec les jeunes, car ce sujet est considéré comme tabou dans nos sociétés. Et si les adolescents et jeunes courent le risque de tomber sur de mauvaises informations dans la rue. Nous citons aussi le phénomène enfant responsable, ce qui est une conséquence de la persistance de la guerre qui a occasionné la mort de plusieurs parents, laissant derrière eux des orphelins. Et quand cet orphelin le plus aîné, c'est une fille, elle se donne à la sexualité pour essayer de subvenir aux besoins de ses cadets ou de toute la famille. Diapositive suivante. Maintenant, parlons des facteurs qui menacent la survie et la santé des adolescents à RDC. Plusieurs faits menacent la santé des adolescents et jeunes à RDC, mais parmi ceux-ci, nous citons les IST, y compris l'infection au VIH-Sida. Cela est dit au non-accès à l'éducation sexuelle adaptée. Nous citons aussi le comportement sexuel à risque, qui n'est autre que les rapports sexuels précoces, avoir des partenaires sexuels multiples, la non-utilisation de préservatifs, la non-utilisation des méthodes contraceptives, les mariages précoces. Et tout cela expose les jeunes à des grossesses précoces et non désirées, à la maternité précoce et aux avortements clandestins. Et toutes ces conséquences qui sont les infections, les saignements qui entraînent de la mort dans certains cas. Nous allons aussi citer les violences basées sur les genres, qui sont les violences sexuelles, les violences physiques, les violences psychologiques. Nous allons aussi citer les problèmes nutritionnels. Ici, chez nous, pas mal de familles n'arrivent pas à nourrir les enfants comme il le faut. Nous citons aussi un autre facteur qui est la plupart d'adolescents vulnérables, y compris ceux qui vivent avec un handicap physique ou sourd-muet, malvoyants, albinos et les orphelins, ne connaissent pas ou n'ont jamais entendu parler des services de santé adaptés aux adolescents et jeunes dans leur environnement, alors qu'ils souhaitent comprendre les problèmes liés à leur santé reproductive. Nous citons aussi le problème de santé mentale. Ici, chez nous, plusieurs jeunes méritent un casse-ligne. Imaginez-vous quelqu'un qui a vu ses parents se faire tuer, dans quel état de santé psychologique peut-il être? Le problème de gestion d'hygiène menstruelle. Les filles ici, chez nous, utilisent des produits de protection intime lavables et réutilisables. Ceci suite au manque d'accès aux kits d'hygiène menstruelle chez les filles. Nous citons aussi la toxicomanie. La plupart des jeunes se donnent à la consommation de stupéfiants, d'alcool ou d'autres drogues suite à l'incertitude et au désespoir. Je ne sais pas si je peux vous surprendre un peu. Ensemble avec les jeunes, nous avons aussi constaté que les jeunes se donnent à la consommation de drogues pour essayer d'élever leurs compétences sexuelles, puisqu'ils se sentent incapables de satisfaire leurs partenaires sexuellement. Ils pensent qu'ils peuvent recourir aux drogues pour essayer d'être compétitifs en cas de relations sexuelles. Prochain diapo.
Ensemble avec les jeunes, nous nous sommes posé la question de savoir que pouvons-nous faire pour améliorer notre santé et ta question. Ensemble, dans nos clubs de jeunes, nous avons pensé que, étant que jeunes, pour essayer de faire face, pour améliorer notre état de santé, nous allons chaque fois organiser des sensibilisations en masse, en organisant des conférences, débats avec l'appui des personnes ressources pour améliorer nos connaissances en matière de santé reproductive. Et c'est là pour essayer d'apporter plus pour les connaissances, pour l'éducation que nous recevons à l'école ou à la famille, pour ceux qui en ont l'occasion. Nous avons passé aussi dans nos clubs que nous devons travailler en collaboration avec les partenaires d'appui pour apprendre de l'entrepreneuriat afin de répondre à nos petits besoins. Ceci pourrait nous aider à nous autonomiser et prévenir des rapports sexuels en échange avec l'argent ou autres biens ou services. Dans nos clubs respectifs, nous avons aussi passé que il nous serait important de développer la culture utilisée pour consulter les services de santé pour notre bien-être. À chaque fois qu'un jeune est malade, il faut qu'il ait au moins l'habitude de se rendre dans une structure de santé pour rencontrer des personnes qui vont prendre soin de lui. Ensemble avec les jeunes, nous avons pensé que nous devrions capitaliser les médias sociaux et les nouvelles technologies de formation et de la communication pour améliorer nos connaissances étant que jeunes et adolescents en matière de santé reproductive, puisque au moins nous savons que pas mal de jeunes ont des téléphones. S'ils utilisaient ces téléphones pour essayer de savoir ce qu'ils doivent faire pour rester en bonne santé, cela serait mieux. Ensemble avec les jeunes, nous avons aussi pensé que s'il y a des organisations qui peuvent travailler avec les jeunes, il faut qu'ils appuient les activités génératrices des jeunes. Cela les rendrait autonomes afin d'assurer leur pleine participation à la vie sociale en tant que partenaire utile. Je sais que je n'ai pas tout dit, mais voilà un peu la situation que vivent les jeunes à RDC et ce que les jeunes dans le club ont passé pouvoir faire pour essayer d'améliorer la santé chez les jeunes. Merci pour votre disponibilité et votre audition. Ici, avec tout le plaisir, nous passons la parole au présentateur de l'émission. Merci. Merci beaucoup à notre jeune champion de la RDC Congo. Diapositive suivante. S'il vous plaît, on peut venir un peu en arrière là, avant cette diapo. Merci beaucoup. Pour l'engagement des jeunes au Niger, donc je suis accompagné avec Aïchatou Yanji-Yankuba, notre jeune champion du Niger, de Dogan-Bouty, qui avec moi on va partager deux approches de leadership transformateur des jeunes en milieu fragile. Diapositive. Donc, la première stratégie d'engagement des jeunes au Niger, c'est d'abord la stratégie que nous appelons les first time parents, que nous appelons en français les parents pour la première fois. Donc, c'est une stratégie qui cible les jeunes, notamment les adolescents et les jeunes femmes mariées qui sont âgées de 15 à 24 ans, qui sont enceintes ou non, ou avec un enfant de moins de 2 ans, ainsi que leurs influenceurs, les maris et les belles-mères. Il faudra juste dire que l'objectif de cette approche est de répondre aux besoins et aux droits de ces adolescentes et jeunes femmes mariées, donc pour qu'elles aient l'accès à l'utilisation des services de santé maternelle, néonatale, infantile, de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. Donc, au-delà aussi qu'ils aient leurs droits pour tout ce qui est aux normes basées sur le genre et à d'autres normes sociales à travers des sessions de discussion des petits groupes, à travers des visites à domicile qui sont menées par des relais communautaires
qui sont identifiés, formés, équipés et suivis. Il faudra juste dire que l'approche, elle est mise en œuvre au Niger dans 4 districts sanitaires, à savoir Dosso commune, Dogandouchi, Tawa commune et Madawa. Et dans chacun de ces districts d'intervention, nous avons identifié 3 centres de santé intégrés, 6 villages, donc 2 villages par centre de santé et 12 relais communautaires par district sanitaire. Donc, dans chaque village, les relais, c'est un homme et aussi une femme qui ont été identifiés. Donc, c'est la base des critères en lien avec les faibles performances des centres de santé, des villages qui sont favorables à la mise en œuvre de certaines stratégies foraines ou mobiles, et aussi des sites qui présentent des questions de vulnérabilité pour mieux faire attaque et aussi proposer des interventions en lien avec la résilience. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que dans ces villages où elle est mise en œuvre, la stratégie a permis de renforcer les capacités de 48 relais communautaires, à améliorer la qualité de leurs prestations aussi de santé, à sensibiliser jusqu'à 973 couples participants sur les questions notamment en lien avec la CPNR, surtout précoce, parce que c'est vraiment l'un des indicateurs phares du projet Momentum Niger, l'accouchement assisté, la CPOM, les signes de danger chez la femme enceinte et le nouveau-né, les méthodes de la planification familiale, y compris aussi la santé maternelle et la santé mentale maternelle, ainsi que la communication et les relations au sein des couples et la parenté responsable. La deuxième stratégie qui est la deuxième stratégie aussi nouvelle, qui est l'approche IACAT. Donc, il faudra juste dire que ce groupe que vous voyez, c'est un groupe inclusif de jeunes bénévoles avec des compétences diverses. C'est aussi un groupe de chercheurs comme Innovation pour le Niger qui vont identifier les besoins de leur propre communauté à travers ce qu'on a intitulé la recherche-action participative. Ils vont planifier, ils vont élaborer et mettre en œuvre un plan de travail annuel pour sensibiliser et aussi engager leur pair à la recherche des solutions aux problèmes identifiés dans les domaines de la santé, de la reproduction, JAR, VBG, pour ne citer que cela. Pour l'expérience du Niger, il faudra juste dire que nous avons identifié et formé 30 jeunes leaders membres IACAT. Nous avons aussi appuyer ces mêmes jeunes leaders, en tout cas IACAT, à définir des questions prioritaires de recherche et nous les avons aussi appuyés dans la collecte des données au niveau de leur pair, au niveau de la communauté, au niveau aussi des personnes influentes et aussi des structures étatiques pour comprendre les obstacles liés à l'utilisation des services de santé en lien avec les thématiques du projet. Dans les jours à venir, nous allons les appuyer dans l'élaboration des plans d'action et de la résolution de ces obstacles dans l'utilisation et l'accès des jeunes dans ça. Donc, à retenir que vraiment, à travers cette recherche action participative, que c'est vraiment un exemple d'engagement significatif des jeunes dans un environnement fragile où les jeunes doivent être responsabilisés et jouer un rôle déterminant dans les objectifs de la santé et aussi dans leur bien-être. L'expérience du Niger aujourd'hui dans la mise en œuvre de cette stratégie IACAT a démontré qu'on peut transformer un jeune avec un niveau de faible d'instruction qui est au niveau communautaire dans le processus de la recherche qui est généralement attribué à des étudiants, à des masterants. Et aujourd'hui, l'expérience du Niger est en train de montrer que, y compris les jeunes à faible niveau, aussi peuvent jouer ce rôle. Je veux passer la parole à notre jeune membre IACAT pour qu'elle nous donne plus de détails sur l'expérience du Niger dans la mise en œuvre de la IACAT. Merci. D'accord, et merci pour l'entrée et pour la parole. Quant à moi, je me présente Ishatsu Yaji Yakuba, âgée de 22 ans, étudiante en première année, jeune membre IACAT de Douti au Niger depuis octobre 2022. Activiste dans un réseau de jeunes qui œuvrent pour faire entendre les voix des jeunes filles victimes des violences basées sur le genre
et de la traite des personnes. Mener un projet de recherche action participative axé sur les services SRPF et VBJ. Nous travaillons actuellement à élaborer et pour l'élaboration d'un plan de travail annuel pour l'engagement des jeunes au sein de notre communauté. Deuxième diapo. Quelques problèmes auxquels sont confrontés les jeunes. Comportement hostile de certains agents de santé ou de jugement inapproprié envers les jeunes. Et ce qui fait cela, c'est que dans un peu, si nous constatons, il y a certains agents de santé ou des jugements inappropriés et qu'on mène envers les jeunes qui fait en sorte que les jeunes n'arrivent pas à bien être servis au niveau des centres de santé. Services de santé inaccessibles, non adaptés aux besoins des jeunes. C'est que si on constate dans les cas, il n'y a pas un service de santé inapproprié et très service de santé inaccessible, non adapté aux besoins des jeunes. Et très vite isolés après le mariage avec des responsabilités ménagères et des limites à leur mobilité qui les maintiennent à la maison sans réseaux sociaux et support ou sans accès à des informations et services de santé. Ici, je voudrais dire que quand on prend le cas d'une jeune fille mariée, c'est toujours elle et c'est pas facile pour eux d'avoir des informations. C'est toujours le mari ou la belle-mère. C'est à travers ces deux personnes ou des gens qui sont au sein de leur maison, surtout au niveau des communautés. C'est à travers eux seulement qu'ils arrivent des fois à avoir des informations. Ils n'ont pas assez d'informations au niveau des services de santé. Quelques problèmes auxquels sont et deuxième diapo. Quelques problèmes auxquels sont confrontés les jeunes ont des grossesses rapprochées et pas souvent le choix pour utiliser les services de SRPF. Pression à enfant avant qu'elle ne soit prête, souvent pression d'avoir des maris, etc. Maltraitance domestique. Les centres de santé ne sont souvent pas accessibles à la population, en particulier aux adolescents et aux jeunes. Prochain diapo. Ce que nous pouvons faire, nous les jeunes, pour améliorer notre santé. Implication des jeunes dans la configuration des comités de gestion des centres de santé existants pour faciliter l'information sur l'accès et l'utilisation des services de santé en faveur des jeunes. Renforcer les activités de plaidoyer auprès des autorités communautaires religieuses pour dénouer avec les axes et coutumes en vue d'accélérer l'utilisation des services de santé en faveur des adolescents et des jeunes. Soutenir la mobilisation des ressources domestiques pour faciliter l'accès et l'utilisation des services de santé en faveur des jeunes adolescents au niveau communautaire. Implication des jeunes dans le mécanisme de gestion de plaintes sur les violences basées sur le genre en lien avec la santé de la reproduction et planification familiale. Prochain diapo, oui, c'est tout. Merci beaucoup, je suis à la fin de ma présentation. Anna? OK. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.
Alors, merci aux présentateurs, aux membres du panel. On va passer à la session donc de questions-réponses. Vous avez la possibilité donc de poser vos questions dans le chat box, ou bien vous avez la possibilité de lever la main et de poser vos questions. Donc la session elle est ouverte. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Très bien. OK. La question est ouverte. Quand vous voulez poser une question, si je suis le Burkina, le Congo ou le Niger, il faut le préciser. C'est bon? Des questions? On peut lever la main? D'accord. Moi, pour argumenter un peu tout ce qui a été présenté par les jeunes, j'ai une première question à l'endroit de nos trois champions. Allô? Maintenant, tu es là? Oui, je vois une question dans le chat et je vois il y a quelqu'un qui a le main levée aussi. Ok, d'accord. Donc la première question dans le chat vient de donc Monsieur Savadogo Souleymane, qui s'adresse donc aux jeunes de la RDC et du Niger pour savoir les défis majeurs actuels dans leurs activités de communication au regard des contextes de sécurité donc actuels. Alors, je donne la parole d'abord à Aïchatou de Niger pour répondre à cette première question. Aïchatou, à vous. Quels sont les défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre donc de vos actions de communication dans le contexte sécuritaire actuel donc du Sahel? Vous êtes là, Aïchatou? Aïchatou, à vous la parole. Oui, je suis là, je vous écoute. Ok, allez-y, la question vous est adressée. Oui. Il y a un participant qui demande les défis que vous rencontrez actuellement dans la mise en œuvre donc, de vos activités de communication au regard des contextes sécuritaires actuels au Niger. N'y a pas de défi. Tout marche bien. Donc le contexte sécuritaire n'a pas eu d'influence quelconque sur vos activités. Non, ça n'a pas eu. OK. OK. Les zones, vos zones d'activité sont dans des zones sécurisées ou c'est dans des zones à haut défi sécuritaire, à fort défi sécuritaire? Ce sont des zones de sécurité. Donc ce sont des zones sécurisées. Oui. OK. Est-ce que la situation politique actuelle aussi a un impact dans la mise en œuvre de vos activités? Non, ça n'a aucun impact. Excellent. Alors, je me Oui. tourne vers Benoît, donc de la RDC. Monsieur Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire un peu au regard du contexte actuel donc de la RDC, avec toutes les fragilités que nous avons soulevées tout à l'heure? En rien, donc avec les différentes crises dans le pays, est-ce qu'il y a un impact de contexte sécuritaire sur vos activités? Oui, merci pour la question. Mais ici, chez nous, les défis sont trop nombreux. Vu la situation dans laquelle nous vivons, à supposer vous-même là, vous faites face à une fille qui a été violée par un rebelle. L'état dans lequel il se trouve, c'est un état que vous avez difficile à maîtriser. D'abord, avant tout, quand il va se présenter devant vous, il aura besoin des soutiens, d'une prise en charge, des souhaits, toutes ces choses-là, ça fait que la situation soit tellement difficile
Quand vous venez, vous les rencontrez, ils vous disent par exemple, j'ai besoin de la nourriture, j'ai besoin des soins. Toutes ces choses-là méritent soutien. Donc, dans tous les cas, vous sentez que l'état d'urgence dans lequel nous vivons ici, nous sommes en situation de guerre, vous sentez que la plupart des adolescents et jeunes ont besoin de soutien énorme. Les sécurités dans lesquelles nous vivons poussent aux gens à se faire violer et vous voyez que tous ces gens-là ont besoin de soutien, d'un accompagnement. Et donc, je ne sais même pas quoi citer. D'accord. L'autre problème, c'est que la communauté dans laquelle nous vivons, par exemple, quand vous enseignez ces enfants l'éducation sexuelle adaptée, ils prennent ça comme un tabou. Ils pensent que vous leur ouvrez la porte à la sexualité, alors que vous êtes là pour essayer de les aider afin qu'ils prennent soin de leur santé et savoir comment se protéger, savoir comment prévenir des grossesses, savoir que même si on est adolescent, on a accès, soit on a droit à accéder aux méthodes de planning familial. Vous comprenez, je passe toutes ces choses-là. D'accord, mais vous, en tant que jeune champion, comment vous Oui. vous adaptez à ces défis que vous rencontrez? Comment vous arrivez, malgré tout ça, malgré tous les tabous qui sont soulevés, comment vous arrivez à vous adapter à ce genre de contexte? Nous arrivons à nous adapter par le fait que la communication, les causeries, les discussions se passent entre jeunes. Donc, vous comprenez que jeunes, entre jeunes, nous avons confiance entre nous. Quand c'est moi qui parle à un groupe de jeunes de mon âge, là, la communication passe très facilement. Et autre chose, c'est que quand les jeunes, par exemple, moi, là, j'étais déjà relais communautaire. Au moins, la communauté dans laquelle je vis, ils avaient confiance en moi. Et c'est ainsi que je peux encourager peut-être les autres d'appartenir au moins à des groupes communautaires. Là, quand la communauté vous connaît bien, ils ont plus confiance en vous. Et ce que vous leur dites, ils peuvent facilement croire à ça. Et autre chose, c'est que ici chez nous, les clubs de jeunes, nous passons souvent nos réunions, nos discussions au centre de santé. Et vous comprenez là que la communauté en a déjà confiance à leur centre de santé, car son enfant, sa fille, son garçon se dit aux parents que je vais au centre de santé pour essayer de discuter sur ma santé. Là, les parents ne posent plus beaucoup de questions. Merci. Très bien, merci. C'est vrai que la question était orientée sur la RDC et le Niger, mais je voudrais bien entendre Mariam sur ce sujet. Mariam, donc, du Burkina Faso. Est-ce que vous avez, Mariam, donc, des défis dans le cadre donc, de vos activités de communication? Si oui, comment vous arrivez à vous adapter à ces contextes qui changent tout le temps? Mariam, à vous. Ok, merci. Notre principal défi au Burkina Faso, c'est qu'il y a des zones inaccessibles. Voilà, il y a des zones inaccessibles. Les jeunes qui sont dans ces zones-là n'ont pas accès à l'information et ils n'ont pas accès aux centres de santé pour les prises en charge. Et nous, jeunes champions ici au Burkina Faso, pour relever ce défi-là, nous procédons par des activités de proximité où nous procédons par des séances B2B, c'est-à-dire face à face. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à Monsieur Hakim Hassani Ousseni pour sa question. Vous avez la main levée. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Monsieur Ousseni? Monsieur Hakim, vous êtes là? Camilo, tú puedes activar el micrófono de alguien, ¿cierto? De la persona que tiene la mano. Can you enable the mic, Camilo, from your end? First of all, do you see the hand, someone that has their hand up? If they want to, you can open the mic from here. D'accord, on n'arrive pas à voir Monsieur Hakim. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question?
Nous D'accord. sommes, il y a encore les autres questions dans le chat. Peut-être c'est mieux si vous lisez parce que je pense que les participants ne peuvent pas parler, quoi. Ok, d'accord. On va, pas de problème. Alors, j'ai une question donc pour les trois jeunes champions. Aujourd'hui, comment vous arrivez à interagir donc avec les dirigeants donc de votre communauté? Et comment vous arrivez avec leur aide à vraiment avoir de l'influence donc sur les violences sexistes, la planification familiale, la santé génétique et autres questions sur lesquelles vous travaillez. Alors, je passe d'abord la parole donc à El Chatou du Niger, à vous. El Chatou, vous êtes là? D'accord. En attendant que Aïchado arrive, Benoît, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la relation donc, que vous entretenez avec les dirigeants, donc les autorités des zones dans lesquelles vous travaillez et comment ils arrivent à vous appuyer vraiment dans l'atteinte d'impact sur les thématiques sur lesquelles vous travaillez? Oui, merci pour la question. Par rapport à comment nous arrivons à répondre à tous ces défis, ici chez nous, précisément dans la ville dans laquelle je vis, à Beni, j'ai participé à des ateliers. Dans ces ateliers, nous avons évité, j'ai vu dans le projet M-Child, on a évité les maîtres les avocats, les policiers, les maires de la ville, les médecins chefs de zone, donc toute la couche des décideurs. On les a évités, les religieux, pour essayer de leur parler, de leur montrer la gravité, de laisser les adolescents et jeunes à ne pas accéder aux méthodes de planning familial, à ne pas accéder à voir comment ils peuvent se protéger contre les infections, pour essayer de les ramener du côté à laisser l'accès aux jeunes, à accéder aux méthodes de planning familial, à accéder à une éducation sexuelle adaptée à leur âge pour essayer de corriger cette situation. Et autre chose aussi, on a impliqué les relais communautaires afin qu'ils éparpillent, afin que le message entre dans toute la communauté en leur disant que, attention, c'est grave. Si jamais nous ne laissons pas nos enfants accéder à une éducation adaptée, ils seront victimes et ils seront victimes des grossesses précoces. Et nous savons que la conséquence des grossesses précoces non désirées, ça aboutit toujours à des avortements. La première impression, c'est avorter. Et nous savons tous que quand on avorte, les conséquences qui viennent après sont difficiles à gérer. Très Et bien. après ça, dans le projet M-Child, surtout dans nos clubs, ils nous ont aidés à élaborer des plans d'action. Et dans ces plans d'action, nous apprenons différentes matières. Et en apprenant ces différentes matières, nous appelons les jeunes de tous les quartiers ensemble, nous discutons et nous apprenons par rapport à ce que nous avons à apprendre les jours. Et en nous proposant des pistes et des solutions par rapport aux problèmes que nous avons dans nos communautés en tant que jeunes. Très bien. Merci beaucoup. Mariam, je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous interagissez avec les autorités locales et comment ils arrivent à vous appuyer dans la mise en œuvre de vos activités de sensibilisation? Ok, merci pour la parole. Nous, au Burkina, nous avons une bonne collaboration avec nos autorités locales et nous procédons par des séances de plaidoyer auprès de ces autorités-là pour les amener à nous soutenir et à nous accompagner dans nos activités, dans nos différentes activités. Je prends l'exemple de la Journée internationale de la jeunesse que nous avons eu à organiser. Et nous sommes allés auprès des autorités et ils nous ont accompagnés. Ils ont assisté, accompagnés pendant l'activité. Voilà, merci.
Très bien, merci beaucoup. Aïchatou, vous êtes là, vous pouvez activer votre micro. Je suis là. OK. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la relation que vous avez avec les autorités au niveau local et comment ils arrivent vraiment à vous appuyer dans la mise en œuvre de vos activités de sensibilisation? Oui, merci pour la parole. Et avec les autorités de Genève, la majorité des activités que nous menons, ils arrivent à nous soutenir et à nous appuyer. Car il y a, et je vais vous donner un exemple, il y a eu un conflit qui s'est passé au niveau au niveau du département de Boutou dans une commune. C'est un problème d'ethnicisme qui a fait en sorte qu'il y a eu une bagarre entre les ethnies Hausa et Peul, qui a fait en sorte que ils n'arrivent pas, les Peuls n'arrivent pas à accéder au centre de santé, car ils se disent que en allant au niveau des centres de santé, ils vont sûrement trouver que les agents de santé sont des Hausa. Donc, pour ce problème et pour cette situation, nous sommes allés voir le district sanitaire de Douchi et ils nous ont même procuré un véhicule et du carburant. En plus de ça, nous étions partis voir le maire qui nous a appuyés aussi, avec la suivi des FDS aussi, parce que la zone était vraiment influencée, il y avait eu des bagarres. Donc, la majorité des activités que nous menons au sein de notre communauté, c'est vraiment en collaboration avec les différents leaders qui se trouvent au sein de notre communauté. Très bien, merci Aïchatou. Alors, il y a une question donc sur la pérennisation du projet, mais je voudrais d'abord poser une question qui pourrait venir avant ça, parce que sur la pérennisation du projet, cela pourrait vraiment être une question de conclusion. Mais il y a une question qui est adressée donc à notre championne du Niger, à savoir, parlant des violences basées sur le genre dans le contexte des défis sécuritaires du Niger, comment est-ce que vous orientez vos activités vers les PDI qui sont, donc les PDI, c'est les personnes déplacées internes qui sont fréquemment, je cite, victimes de viols. Comment? J'ai pas bien compris. Comment vous orientez, donc dans le contexte sécuritaire du Niger, comment vous orientez, vous orientez vers les personnes déplacées internes qui sont, comment vous orientez dans vos activités vers les personnes déplacées internes qui, selon l'intervenant, sont victimes donc fréquemment de viols. Autrement, est-ce Oui. que vous avez des activités qui sont orientées vers les personnes déplacées internes? Non, non, vers les personnes déplacées internes, et vraiment, jusque-là, nous n'avons pas les activités que nous menons dans ce cadre. Très bien. Je vais poser peut-être la même question à Mariam. Au Burkina, est-ce que vous avez des activités qui sont orientées vers les personnes déplacées internes dans le cadre, par exemple, de prise en charge en cas de viol et de violences basées sur le genre, par exemple? Oui, merci pour la question. Nous, ici au Burkina Faso, nous procédons par des activités de proximité pour pouvoir toucher ces personnes et déplacées internes. C'est-à-dire, nous allons vers la cible dans leur zone pour mieux causer avec eux. Merci. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Benoît, est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Est-ce qu'au Congo, vous avez ce type de population déplacée interne et comment est-ce que vous orientez vos actions vers eux? Oui, merci pour la question. Ici chez nous, poser la question de savoir si il y a des personnes déplacées internes, il y en a partout et d'ailleurs la plupart des gens vivent dans des familles d'accueil, surtout ici dans la zone de santé de Beni. Et ils sont impliqués dans ce projet. Puisque dans ce club, nous sommes là. Donc, toute la jeunesse de la zone de santé, puisque dans notre zone de santé, nous avons trois clubs. Et ces trois clubs, nous englobons donc toute la jeunesse, sauf ceux qui ne viennent pas.
Mais au moins ceux qui viennent accèdent à nos communications, à nos enseignements, et ils prennent part à ça. Et nous supposons qu'ils tirent avantage de ce que nous faisons et se déplacer. Il faut partir des comités de jeunes, comme il faut partir aussi du club de jeunes que nous avons dans nos zones de santé, dans notre zone de santé de Béni. Très bien, merci Oui. beaucoup. Donc, je vais poser une question aussi à tous les trois intervenants. Donc, je commence par Mariam. Aujourd'hui, comment vous voyez la suite donc de vos actions? Donc, c'est là une question de Monsieur Savadogo. Comment vous voyez la suite de vos actions au profit des jeunes et adolescents après la fin du projet MIHA qui vous appuie? Comment vous comptez pérenniser en un mot tout ce que vous avez reçu comme formation, comme engagement de la part du projet MIHA? Mariam? Merci pour la question. Nous allons procéder par cette stratégie de pérennisation. Comme je l'ai dit, nous sommes organisés en un réseau formel pour la pérennité des acquis à la fin du projet. Nous allons toujours continuer à mener des activités en attendant les appels d'offres peut-être d'autres partenaires. Merci. Très bien, merci. Aïchatou, à vous. Dans le cadre de la pérennisation de vos activités à la fin donc du projet MIR, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Niger, Aïchatou? Oui, je vous écoute. Et est-ce que vous pouvez répondre à la question? OK. La question, c'était de savoir, aujourd'hui, si le projet donc MIR venait à prendre fin, vous, en tant que jeune champion, qu'est-ce que vous avez prévu pour rendre pérenne, donc pour pérenniser votre engagement auprès des communautés? Oui, ce que nous avons prévu de pérenniser aujourd'hui, c'est que nous avons déjà notre agrément et vu que nous sommes déjà sur une activité de recherche, nous avons déjà mené nos recherches. Donc ici, ce que nous comptons faire, c'est d'élaborer un plan, l'élaboration d'un plan pour la chimie. Et puisque nous avons déjà mené des recherches sur lesquelles nous sommes, il y a des problèmes que nous avons déjà identifiés. C'est sur ça que nous comptons vraiment et faire la suite de nos activités, l'élaboration d'un plan d'activité, d'un plan de travail annuel. Très bien, merci beaucoup. Oui. Benoît, à vous la parole. Oui, merci pour la question. Ici, chez nous, à RDC, précisément notre club de jeunes, nous nous sommes déjà appropriés ce projet, cette lutte. Même après le projet, je ne sais pas si je peux vous informer que nous nous sommes déjà organisés en groupe. Et même dans nos clubs, nous faisons des petites contributions selon nos moyens. Nous organisons des activités, nous apprenons aux jeunes des petits travaux, des petits métiers que nous pouvons selon nos moyens, afin que même si le projet sera à sa fin, mais nous saurons au moins continuer avec nos activités et tout en partageant nos expériences et les enseignements en utilisant les modules que nous avions été dotés par le projet MIHA. Et donc, par rapport à moi, je comprends que même si le projet s'arrêtait aujourd'hui, nous savons continuer avec nos enseignements et nous continuerons à influencer notre jeune à nous rejoindre suite aux petites activités que nous faisons étant que club de jeunes, et à ce moment, quand ils viennent, ils profitent aussi des enseignements par rapport à la santé des jeunes et adolescents. Merci. Très bien, merci beaucoup Benoît. Monsieur Paul Silga à la main levée, vous pouvez poser votre question? Monsieur Paul Silga? Je pense que les participants ne peuvent pas ouvrir leur micro. Ok, d'accord. Donc, monsieur Silga, est-ce que c'est possible que vous mettez votre question dans le chat box, s'il vous plaît?
pour qu'on puisse donc la poser aux intervenants. Donc, en attendant, Benoît, je voudrais que vous gardiez la parole et que vous puissiez nous dire aujourd'hui, avec donc votre plan de pérennisation, vous avez eu une grosse expérience donc avec le projet MAHR. Alors, la question c'est aujourd'hui, quelles sont vos suggestions à l'endroit, par exemple, d'ONG, d'organisations nationales ou internationales, qui cherchent, par exemple, à établir des partenariats avec des jeunes ou bien des organisations dirigées par des jeunes. Si vous deviez donner des conseils sur la base de votre expérience, quels seraient-ils? Merci pour la question. Étant évolué dans le club des jeunes, nous avons pensé que si jamais il y a d'organisations qui veulent travailler avec les jeunes, il faut qu'ils appuient les activités génératrices de revenus des jeunes. Par exemple, nous, dans notre club de jeunes, au moins nous apprenons à fabriquer, nous apprenons aux filles comment faire les gâteaux, comment faire les beignets. Des activités pareilles amènent, soit attirent vers nous plusieurs jeunes. Et si quand un jeune sait faire un petit travail pour soi, pour lui-même, là, il ne sera plus vulnérable à échanger le sexe avec de l'argent ou bien autre service. Je veux que nous avons pensé que si jamais il y a une organisation qui veut travailler avec les jeunes, il faut qu'ils partent en avant qui rendent les jeunes autonomes afin d'assurer leur pleine participation à la vie sociale en tant que partenaires utiles. Aussi, nous avons pensé qu'il faut qu'ils organisent les jeunes en association. Quand ils sont ensemble, ils peuvent partager les expériences et si les uns vont aider les autres à l'idée, des choses comme ça. Nous avons aussi pensé que quand une association veut travailler avec les jeunes, il faut qu'ils leur laissent le monopole de définir les principaux problèmes auxquels ils veulent trouver des solutions. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Oui. Aïchatou, si vous aviez des conseils à donner à une organisation nationale, internationale ou locale qui voudrait avoir un partenariat avec des jeunes ou des organisations qui travaillent avec des jeunes, quels seraient vos conseils sur la base de votre expérience actuelle? Oui, sur la base, et merci pour la parole. Concernant sur la base de mon expérience actuelle, s'il y a des projets qui veulent travailler avec nous, la recommandation que je vais faire ici, c'est concernant, puisque nous sommes déjà, et là, nous sommes déjà sur une activité que nous avons menée. Je demanderai à ceux que ces activités soient financées et à ceux qu'ils essayent aussi de faire en sorte que les jeunes soient impliqués dans les prises de décision. Voir comment impliquer les jeunes dans les différentes activités que nous menons, afin que les activités des jeunes soient financées et qu'ils continuent de faire des plaidoyers. C'est Très tout ce bien, que je... merci beaucoup. Merci. Oui. Mariam, à vous. Mariam Konaté, vous êtes Oui. là? À vous. Oui, je suis là. Très bien. Ok. Si moi j'ai un conseil à donner à une ONG, je vais leur dire de faire confiance aux jeunes champions. Et c'est-à-dire que l'initiative Jeunes Champions est une initiative qui porte. Et nous avons aussi, nos pères aussi nous font beaucoup confiance. Nos pères nous font beaucoup confiance. Et on a eu une bonne collaboration avec eux, à telle enseigne qu'ils se confient à nous. Et je vais aussi ajouter que nous avons une bonne expérience et une bonne capacité aussi d'animation. Voilà. Pour ces raisons, toutes ces raisons m'amènent à dire que ils peuvent nous faire confiance. Merci. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Hassan Al-Tide Abdul Aziz, est-ce que vous pouvez me voir votre question dans le chat box, s'il vous plaît? Sarah, je crois qu'on a fait le tour donc des questions. À moins que vous ayez des compléments de questions, en entendant que Assad
Hassan puisse mettre sa question. C'est bon? Très bien. Merci beaucoup. Donc, je crois que pour le moment, on n'a plus de questions dans le chat box. On a fait un peu le tour donc des défis qui émaillent un peu le travail donc des jeunes champions. On a eu à avoir Il y a des une question d'Edouard Ingrid, la fleur. Il y a une question. Merci à tous. J'aimerais savoir quelle habitude adoptez-vous lorsque vous faites face à refus des autorités religieuses et qu'on coutumière de faire passer la campagne de sensibilisation. All right. The question is, I would like to know what do you do in case that you have a rejection of religious authorities, so that you have this blockage of religious authorities and to about this sensibilisation campaign. Ok, je vais poser la question à nos jeunes. Alors, donc la question c'est pour vous trois, en commençant par donc Mariam. Donc notre ami Edouard demande quelles sont les habitudes que vous adoptez lorsque vous faites face, par exemple, à des refus d'autorité religieuse ou coutumière de faire passer, par exemple, une campagne de sensibilisation ou une causerie éducative. Donc, comment vous faites face à ça? Ok, merci. Pour faire face à ça, nous avons au début du projet, nous avons eu deux tuteurs, une tutrice et un tuteur. Et quand il y a ce genre de problème-là, nous allons vers eux qui servent d'interface pour résoudre ce problème-là. Merci. Très bien, merci beaucoup. Aïchatou? Aïchatou? Vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute. Ok, est-ce que vous pouvez répondre donc à la même question? Quand vous avez en fait des défis de faire passer des campagnes, du fait par exemple de l'opposition de chefs coutumiers ou religieux, quels sont vos mécanismes pour faire face à ce genre de situation? Oui, probablement que nous, on ne rencontre vraiment pas de problème à mener nos activités, puisque avant même d'interagir dans une communauté, avant même d'être là, on informe déjà la chefferie ou en ce qui concerne le district avant même notre arrivée. Donc, ce qui fait qu'avant même qu'on ne soit là pour une action de sensibilisation, consort ou autre, et c'est comme si le milieu a été déjà informé. Donc, vraiment, on ne rencontre pas de difficultés. Très bien. Benoît? En fait, Merci beaucoup, Aïchatou. Benoît, à vous la parole. oui, merci beaucoup pour la parole. Par rapport à la question, il n'y a pas beaucoup de défis, puisque les encadreurs sont des personnes qui vivent dans la communauté, des leaders communautaires. Et aussi, les clubs de jeunes, donc je peux dire, est lié au centre de santé. Club de jeunes, centre de santé, donc nous semblons être sous-composants du centre de santé en encadrant les jeunes qui vivent sous cette aire de santé. Mais aussi, j'ai assisté ici chez nous à un plaidoyer et à un atelier de plaidoirie qui a invité les décideurs religieux afin qu'ils comprennent la gravité du problème. Et petit à petit, ils sont en train de comprendre, sauf qu'il y a toujours quelques-uns qui n'ont toujours pas compris jusque-là, mais nous espérons qu'avec l'État, à force d'aller vers eux, de les faire montrer la gravité, de les faire montrer les problèmes qui attendent les jeunes si jamais ils ne sont pas éduqués, ce qui leur attend. Et peu à peu, les églises commencent à adopter. Et j'ai vu, c'était l'année passée, ici on appelle ça CBK, Communauté baptiste au centre de l'Afrique, qui a organisé une conférence des jeunes en rapport avec les sujets Journée internationale de la masturbation chez les jeunes, dans lesquels on a parlé de
planning familial, l'hygiène menstruelle, donc des choses en rapport avec la santé chez les jeunes. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va faire un dernier donc, tour de table avec nos trois jeunes champions. Je voudrais en fait que vous ayez un message de fin, mais avant d'avoir le message de fin, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous devez parler par exemple à des jeunes, de façon réaliste, comment aujourd'hui les jeunes peuvent-ils être ou bien peuvent-ils servir d'agents de changement pour la santé dans leur communauté? Et vous concluez. C'est bon, on peut commencer par Benoît. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Les jeunes peuvent être des agents de changement dans leur communauté. Ça, c'est vrai. Il faut que les jeunes d'abord subissent des formations qui vont les transformer et aider à transformer leur père. Si jamais je suis formé, je suis éduqué par rapport à ma santé, cela veut dire que ce message va s'épanouir, va s'étendre dans toute la jeunesse dans laquelle je vis. Ou toute la jeunesse qui vit autour de moi sera aussi formée par rapport à ce que j'ai comme connaissance. Et si je veux que les autres formations qui peuvent venir, si jamais dans MHR vous prévoyez des formations pour les jeunes, impliquer les jeunes, puisque nous ne saurons pas transformer notre communauté si jamais nous ne sommes pas formés, si jamais nous n'avons pas de connaissances. Et si veiller à ce que les jeunes accèdent à une éducation qui va leur aider à transformer leur communauté. Très bien, très bien. Merci Oui. beaucoup, Benoît. C'est votre dernier mot? Vous avez un dernier mot à ajouter? Je veux que dans les projets ou les autres organisations qui peuvent être, ils appuient les organisations des jeunes. Puisque ici chez nous, si je peux vous dire, c'est que nous sommes toujours vulnérables et nous sommes toujours aussi flexibles. Et nous sommes aussi victimes de pas mal de maux, puisque nous dépendons totalement des parents. Je peux prendre l'exemple des jeunes qui est malade, qui a une infection. Comprenez qu'ici chez nous, nous avons difficile à aller dire aux parents que voilà, papa, j'ai une infection. Il va te poser la question, comment l'as-tu contractée? Alors, essayez de travailler sur ce point à ce que les jeunes soient autonomes, à ce que les questions des infections chez les jeunes ne soient plus tabou, afin que ces sujets soient traités, soient discutés entre familles, entre jeunes, et dans toute la communauté, et qu'on ne soit plus victime de mauvais traitements, de violences psychologiques. Quand on est, par exemple, PVV, vous comprenez, un jeune qui est PVV, les sortes de traumatismes auxquels il est exposé. Donc, accompagner les jeunes à être autonomes, accompagner les jeunes afin que les problèmes de leur santé soient discutés, afin qu'ils accèdent aux soins de santé. Très bien. Impliquer les parents afin qu'ils accompagnent les jeunes. Donc, mettez les jeunes au centre de tout, puisque les Très jeunes, bien. c'est demain. Les jeunes, c'est l'avenir. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Benoît. Aïchatou, le même exercice. Donc, la question, c'est comment, selon vous, les jeunes peuvent-ils, de la manière la plus réaliste possible, servir donc d'agents de changement pour la santé dans leur communauté? Et quel est votre dernier mot ce soir à ce webinaire? Oui, merci pour la parole donnée. Et effectivement, que les jeunes peuvent servir d'agent de changement. Comment est-ce qu'ils peuvent faire cela? C'est en essayant d'impliquer les jeunes. Les jeunes peuvent s'impliquer dans les structures de gestion de centres de santé au niveau communautaire pour appuyer les centres à travers beaucoup d'activités comme celle de la sensibilisation et information de leur père. Comme par exemple au niveau des collèges, on peut aussi impliquer les jeunes, car c'est difficile en fait dans les centres de santé de voir
les jeunes. Ils ne sont pas beaucoup impliqués. Et pour cela aussi, il faut qu'en impliquant aussi ces jeunes-là, ça sera plus confortable pour les autres jeunes de venir et expliquer les problèmes auxquels ils font face. Car aujourd'hui, envoyer un jeune, c'est plus facile et approprié pour un jeune de s'expliquer au niveau d'un jeune. Les jeunes peuvent aussi participer à l'identification des obstacles à l'accès et l'utilisation des services de santé en faveur des jeunes. À ce que je vois. Ils peuvent aussi servir dans pas mal d'activités au niveau des centres de distribution sanitaire. Donc, en essayant d'impliquer ces jeunes-là, car ils ne sont pas du tout vraiment impliqués, en essayant de les impliquer, la situation serait peut-être plus favorable et plus accessible aux jeunes. Très bien, c'est votre dernier mot? Oui, je crois bien que c'est mon dernier. Très bien, on a encore des questions intéressantes dans le chat, mais bon, on a pris pas le temps. Donc, je vais laisser la parole à Mariam pour nous dire aussi son point de vue sur le rôle, donc, disons, sur comment les jeunes peuvent, de façon réaliste, être des agents de changement pour la santé dans leur secteur et nous conclure. Si sur moi. Merci. Mariam, à toi. Ok, merci pour la parole. De façon réaliste, nous jeunes procédons par des activités de communication, de changement social, de comportement. Les jeunes sont de plus en plus ouverts avec nous. Et la paire éducation, selon moi, la paire éducation porte. Les jeunes nous réclament de plus en plus sur le terrain, car ils n'auront pas à se confier à des gens plus âgés que nous. Voilà, aussi, nos activités de dialogue parents-enfants permettent d'atteindre des changements. Et comme mot de fin, je vais dire que si l'initiative Jeunes Champions n'existait pas au Burkina Faso, il fallait qu'on la crée. Vraiment, merci beaucoup aux partenaires. Grand merci aux partenaires. Nous souhaitons qu'il continue l'initiative. Il ne faudra pas que l'initiative Jeunes Champions s'arrête là. Nous souhaitons, notre plus grand souhait est la pérennisation de l'initiative Jeunes Champions. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Mariam. Donc, à mon tour, au nom des organisateurs de ce webinaire, je voudrais remercier Benoît, Aïchatou, Mariam pour leur rapport très apprécié sur les questions, les défis, les opportunités, les perspectives de leur travail pour leur communauté. Je voudrais aussi remercier au nom de tout le projet, toutes les personnes qui ont pris le temps de participer donc à ce webinaire ce soir. Les discussions peuvent continuer. Vous pourrez sans doute avoir les contacts des responsables du projet s'il y a des questions complémentaires. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et voilà. Merci. Sarah, Yari, c'est bon. Merci beaucoup, Lassana, oui, et merci pour la participation de tout le monde et de nos panélistes et nos collègues. Donc, merci et bonne journée. Merci beaucoup. Excellente soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir et bravo à tous les jeunes. Voilà, merci beaucoup beaucoup. Pour tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous. Merci à tout le monde. Bye bye. Bravo. Pourquoi un petit We can stop recording and thank you everyone for joining. All right, we will be sending you the recordings as soon as we render them.